tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, hein, mais bon. Le problème, c'est qu'avec la météo, qui est franchement pas terrible, on passe notre temps à attendre qu'il arrête de pleuvoir. Bon, là, c'est bien. Il a enfin arrêté de pleuvoir. Donc, on peut se remettre au boulot. Et du coup, c'est les semis de maïs. Voilà, enfin. Alors, on aura été en retard pour tout dans l'année. Mais par contre, pour les maïs, on va être à peu près dans les temps. Et on va faire le boulot dans des conditions qui sont pas trop mal. Voilà. Au passage, on est à côté de mon blé dur que j'ai semé début mars. Eh ouais, du blé dur début mars. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, donc cette année, comme j'ai Lucas, du coup, je prête mon semoir à mon voisin avec qui on le sème d'habitude. Hein. D'habitude, c'est... Vous aviez tous déjà vu dans les vidéos que c'était un John Deere 6506 sur le semoir. Et du coup, cette année, c'est le N154. Donc, comme j'ai Lucas, en fait, quand on sème à deux avec mon voisin, on n'a pas besoin d'être trois. Donc en fait, l'idée c'était de pas mettre Lucas au bout du champ sur un transat, c'était de le faire participer. Donc il a ouvert le terrain et moi j'ai semé derrière. Donc c'est cool, comme ça il a appris pas mal de trucs. Hein. Il a ouvert à la fois avec le Dutz et avec le Valtra T151. On avait un beau duo de Valtra dans le champ tout à l'heure. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure. Ça va être plus une vidéo, vues drone, des prises de vue rapides. Après, les semis de maïs, je vous avais déjà présenté ça. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Deux, trois nouveautés sur le semoir, deux, trois modifs à venir aussi. Enfin, surtout une. Mais ça, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et puis là-dessus, je vous laisse apprécier les belles images de l'année. We'll be right back.
fin des semis de maïs 2024. Ça s'est pas trop mal passé. Alors voilà la différence de travail, hein. Les rives, on les a préparées à la rotative. Et tout le rayage, lui, on l'a fait au vibro. Bon, au vibro, ça laisse plus de mottes en surface. Après, la qualité de semis est la même, hein. C'est juste qu'on a l'impression d'avoir buté des patates avec les chasses débris rotatifs. Mais bon, dans l'ensemble, ça sème du maïs, hein. Voilà, la fin du champ arrive. La fin du réservoir aussi. Il faut savoir que j'ai fait tous mes maïs, donc 45 hectares de maïs, avec un seul plein. Le N154, eh ben c'est vraiment des économies de carburant. Le mode éco, c'est top. Et bah avec la variation continue, du coup, c'est vrai que je suis toujours au ralenti avec ce tracteur-là. Et ça, c'est drôlement appréciable. Hop. Et voilà. Fini pour cette année. Hop, donc voilà, 161 litres de carburant pour 40 hectares 80. Et ça, c'est vraiment pas mal. Petit passage sur mon petit blé dur. Il est un peu clairo, mais bah, il se refait. Alors c'est marrant parce que ça, autant cette année, bah... On a eu vraiment beaucoup de flotte, c'était assez chiant de jongler avec la pluie qui tombait tout le temps. Autant le sol s'est habitué en fait à ce que l'eau passe, l'eau a fait son chemin, et alors par contre on va assez vite arriver dans le raid sec. Voilà, ça peut être une année assez pénible. On va mettre en colère les écolos parce qu'on va passer de se plaindre parce qu'il fait trop humide à sortir les enrouleurs. Enfin voilà. Bon bah la qualité de semis elle est franchement top. Hop. Hop. Un petit grain. On cherche pas les copains. Ça, je l'ai déjà fait en début des semis pour les réglages. La petite nouveauté sur mon semoir, c'est que bah, je lui mets des petites mises à jour de temps en temps, et après les chasses débris rotatifs que j'avais eu en adaptable chez AgriKit ou Kit Agri, je sais plus bien le nom, enfin c'est dans un sens ou dans l'autre, ils sont là, ça va vachement mieux que les machins d'origine en dur, et ben bah, je l'ai passé en fertiliseur à disque. Je les ai trouvés on annonce sur AgriAffaire, et en fait le gars c'est pour faire de la fertilisation mais en frontal, avec une trémie frontale, et en fait il cherchait des socs, donc j'ai filé mes socs au carbure, et en échange il m'a filé ses disques, donc tout le monde était content, et moi je suis vraiment super content parce que ça marche impeccablement bien. Seul truc où je me suis fait un petit peu avoir, c'est que ça remonte le point d'attache et mon tuyau, en fait, il est presque à l'horizontale quand le semoir est déployé. Et à l'horizontale, ça coule pas bien. Il va falloir qu'on modifie ça pour l'année prochaine. Donc je l'ai tendu à mort, mais j'aime pas comment c'est mis. Donc il va falloir que je remonte la trémie. Toute la trémie, on peut la remonter hein, parce que c'est dans des coulisseaux. Sauf que alors là, on a une petite pépite d'ingénierie. C'est qu'en fait, on a un tube dans un autre, mais le gros tube en bas. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, il y a un petit peu d'engrais, un petit peu d'humidité qui arrive à rentrer là-dedans. Et en fait, tout est absolument grippé. Ça va être une vraie partie de plaisir à remonter ça. En fait, ils auraient fait l'inverse avec le gros tube en haut et le petit tube en bas. Ça aurait pas forcément été moins solide, ils auraient mis une petite équerre pour se préserver le bas. Et on n'aurait pas eu ce problème là d'accumulation d'humidité. Mais voilà, c'est l'inverse. Donc ça va être un grand moment ça. Mais bon, pour cette année, ça va marcher comme ça. On verra ça l'année prochaine.
pour les révisions. Donc voilà, pour que le maïs lève plus vite, pour limiter le problème corneille, donc moi je lui mets du fertilisant, du 18-46 à 90 kg hectare, plus 15 kg hectare de plantain, plant star. Donc l'idée c'est pas forcément de faire un... c'est pas forcément pour le rendement en fait final. C'est surtout pour qu'il débourre vite, pour qu'il arrive le plus vite possible au stade 4-6 feuilles pour qu'il soit moins vulnérable aux corneilles. Sinon, la nouveauté c'est la bennette. Donc c'est pas moi, hein, je l'ai emprunté à un voisin. Et n'empêche que la bennette à l'avant pour emmener les fournitures, c'est drôlement pratique. Voilà. Et puis le hêne, franchement, il est génial pour semer le maïs. Génial. Il est déjà super pour traiter, mais alors pour traiter, épandage, déchaumage, voilà. Je suis ravi de mon achat. Super tracteur. Super tracteur. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine. Voilà. Allez. Salut.